Yo tout le monde, c'est The Basketor 600, je crois que Xavier, quelqu'un, ça va tranquille. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. C'est vrai que à chaque fois que je fais une vidéo où je parle, je dis, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Ça c'est vrai. Je sais pas que Xavier, quelqu'un, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera mes prédictions pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, j'avais déjà prédit la Coupe du Monde en entier, mais là, je vais prédire que les vrais huitièmes, voilà. Donc si les vidéos vous plaisent, laissez un like. Puis on commence avec Uruguay-Portugal. Uruguay-Portugal, Suarez contre Ronaldo techniquement. L'Uruguay première du groupe, le Portugal deuxième. Je vois une qualification du Portugal. Voilà, parce que Portugal c'est quand même champion d'Europe. Et je pense que le Portugal peut battre l'Uruguay. Voilà. Et potentiellement, l'adversaire du Portugal, ça serait la France ou l'Argentine. Donc France-Argentine. France première, Argentine deuxième. Clairement, je ne voulais pas que l'Argentine se qualifie. Je voulais absolument que ce soit le Nigeria. Parce que je sais pas, j'aime pas l'Argentine. Je n'aime pas l'Argentine. C'est. Je sais pas, c'est comme ça. Peut-être parce qu'il y a Messi, hein, j'en sais rien, mais. Voilà, j'aime pas l'Argentine, simplement. Mais de toute façon, je vois quand même une victoire de l'équipe de France. Inch'Allah, Messi, il se fait blesser. Ah non, mais. Ouais, je sais pas, mais bref. J'espère quand même une victoire et je pense une victoire de l'équipe de France, ce qui donnerait potentiellement France-Portugal en quart, en revanche de l'Euro. Et si c'est l'Argentine contre le Portugal, ça sera Messi contre Ronaldo. Si c'est Argentine-Uruguay, ça sera Messi contre Suarez. Donc voilà. Brésil-Mexique, Brésil qui a terminé premier, Mexique deuxième, puisque voilà, Mexique qui est dans le groupe qui a sorti, enfin dans le groupe. De l'Allemagne. Je pensais que le Mexique allait finir premier, même pas. C'est la Suède qui a fini premier de leur groupe. Pour ce match, je vois quand même une qualification du Brésil. Je crois qu'il y avait eu ce match en 2014 et apparemment, il y aurait eu ce match dans des Coupes du Monde précédentes aussi, en 8e. Donc je sais pas. Hein. Enfin, il n'y a pas longtemps, genre peut-être 2006 et 2002, j'en sais rien. Mais en tout cas, la revanche peut-être pour le Mexique, mais je pense pas. Je pense que le Brésil va quand même se qualifier. Belgique-Japon. Japon, grosse surprise, parce que je voyais quand même la Pologne terminer deuxième du groupe. Puis quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, allez, quand même, Sénégal deuxième. Bah non, il n'y a plus d'équipe africaine dans ces huitièmes. J'ai une victoire de la Belgique. Belgique avait donc, je sais plus si je l'ai dit, première de son groupe. Après une victoire contre l'Angleterre. Et un Lukaku très très bon. Et un Michy Batshuayi qui se prend des balles en pleine gueule. C'était marrant, franchement, c'était marrant. Victoire de la Belgique, évidemment, c'est le match où je m'attends le moins à voir une surprise. Parce que je suis presque sûr que la Belgique vont battre le Japon. Ce qui ferait potentiellement France-Portugal et. Enfin, Portugal-France et Brésil-Belgique. Gros match. Espagne-Russie, victoire de l'Espagne. Parce que là aussi, certes, on fait 3 victoires. Non. Ah ben non, ils ont terminé deuxième de leur groupe derrière l'Uruguay. Ils ont fait 2 victoires. Mais quand on voit qu'ils perdent contre l'Uruguay, ça veut dire qu'on commence à avoir du niveau. La Russie, c'est pas là. Donc, victoire espagnole. Ensuite, Croatie-Danemark. Victoire de la Croatie. Parce que le Danemark, voilà, ça fait que jouer derrière et la Croatie. Ça s'est attaqué. Donc victoire croate, ce qui donnerait Espagne-Croatie. Suède-Suisse, match où. Les deux derniers matchs, là, c'est vrai que. Je sais pas trop. Je pense une victoire de. Victoire de qui, franchement? Victoire de la Suède. On va partir sur une victoire de la Suède. Je sais pas pourquoi. Parce que je sens plus la Suède. Pourquoi pas. Ça ferait un Espagne. Non, n'importe quoi. Ça ferait un Suède en quart quand même. Oh, c'est ouf. C'est incroyable. Et enfin, Colombie-Uruguay.
Angleterre, je suis un peu indécis, mais j'ai quand même mon favori pour ce match. Pour moi, la Colombie va battre l'Angleterre, ce qui donnerait potentiellement un Suède-Colombie. Parce que voilà, la Colombie et l'Angleterre, c'est deux nations équivalentes, qui n'ont pas du tout le même jeu, mais deux nations équivalentes en termes de niveau. Mais je vois quand même la Colombie. Voilà, je pense une victoire colombienne. Et puis voilà, donc ce qui nous donnerait Portugal, France, Brésil, Belgique, Espagne, Croatie et Suède, Colombie. Donc ça veut dire que tous les premiers des groupes, sauf le Portugal, se seraient qualifiés. Je rappelle qu'en 2014, tous les premiers des groupes s'étaient qualifiés en quart de finale. Voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire TheBoss2905. Je poste tous les mois des vidéos sur le catch. Donc la prochaine que je vais faire, normalement, si je fais pas de jeu, il n'y a pas beaucoup de chance, eh ben, ça sera le potentiellement le vendredi 13 juillet. Voilà. Vendredi 13, oui. Potentiellement, je ne suis pas très sûr. Et puis bah voilà, ce sera pour les prédictions d'Extreme Rules. Et puis voilà. Sinon, moi je dis à la prochaine. Allez la France. Demain le premier match, je vous le rappelle. 16h sur TF1. Il faut qu'on tape l'Argentine. Bye.